Salut tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Final Fantasy XIII. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu... Pour un épisode un petit peu spécial, puisque avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un petit peu mon hypothèse sur pourquoi... Le souverain de Cocoon nous a envoyé ici. Nos chers compatriotes ici présents croient que c'est parce que, comme il leur a dit, ils veulent les transformer, enfin, ils vont se transformer en Ragnarok et tout détruire. Et donc, il faut qu'ils soient puissants et tout. Moi, je pense que c'est bien pour devenir plus puissant, mais que Bisley, je sais plus comment il s'appelle, le souverain se trompe. En fait, c'est lui ou un de ses potes qui va se transformer en Ragnarok, et nous qui allons devoir l'arrêter. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être plus puissant. Voilà ma petite théorie. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Je n'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, là, on a besoin de Pesos. De Crystarium, de comme vous voulez, hein. Du coup, eh ben, on va affronter des monstres, hein, parce qu'on en a besoin et on rigole pas là, on rigole pas, on en a besoin, littéralement. Moi je vous le dis, hein, on a besoin de Pesos, de Crystarium, de tout ce que vous voulez, hein, mais on en a besoin. Parce que de ce que j'ai, oui, parce qu'il faut savoir que j'ai regardé un petit peu sur internet où on en était. On est pratiquement, enfin bientôt à la moitié du chapitre 10. Mais justement, les boss qui nous attendent juste après sont de plus en plus puissants. Et du coup, bah, ce serait bien qu'on puisse lui défoncer la gueule. Voilà, tout simplement. Ok. Du coup, on va arrêter de sauter tous les ennemis. Enfin, je vais arrêter de sauter tous les ennemis. Je peux vous faire porter le chapeau alors que c'est moi qui le fais. Et on va se mettre à affronter tout le monde. Puisque quand je l'ai vu, on m'a... Enfin... Et puis d'ailleurs, certains d'entre vous m'ont dit, hein, Kaito, arrête de sauter les ennemis, parce que bien qu'ils soient très puissants, tu vas avoir besoin de les... Enfin, de leur... de les défoncer, quoi. Donc j'ai pris en compte vos conseils et du coup on va faire comme on peut, hein. On va faire un, voilà, ça, parce que vu qu'on en a empoisonné, je sais pas si on peut. Ok. Bon, ça va, on gère bien, on gère plutôt bien. Ah bah c'est bon, on a plus de problème de... On a plus de problème de poison. Donc ça, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez. On va battre lui, et puis après on a vu que les autres, on pouvait les bourrer. Donc on les bourrera, vous inquiétez pas. Pour le moment, on bourre pas encore, parce que voilà, on fait semblant de voilà. Mais je trouve que le jeu est vachement ralenti par rapport à d'habitude. C'est peut-être moi qui me fais des idées, mais je sais pas. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Hop. Et du coup, on attaque l'autre. Et puis, ce sera fini. Voilà. C'est nous qui l'avons eu. En même temps, on lui faisait 3000 de dégâts. J'ai envie de dire... lol. Ok. Tac, tac, on va aller chercher le petit coffre.
Une amulette de Magus. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'amulettes et tout et que j'ai pas regardé. Je vais le faire. Je vais le faire maintenant. C'est pas forcément des trucs qui seront cool, mais on sait jamais. SOS foi, SOS bravoure, résistance 6 éléments. On résisterait plus facilement à la foudre, le feu, l'eau, la glace. Allez. 10%, ça peut changer, hein. Et franchement, moi je dis 10%, ça peut devenir très utile en combat. Du coup, autant en profiter. Alors, non, ok. Ok, allez, c'est parti. Je voulais prendre en surprise, je pensais qu'il fallait juste marcher pas très vite, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Allez, moi je veux un voile, voilà, et tu me donnes un célérité et puis un foie aussi. Un foie aussi. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. Je voulais, j'ai eu ce qu'il me fallait. Le truc qui augmente la puissance, c'est cool. Par contre, on va. Non, merde, je me suis foiré. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop! Voilà, parce que histoire que quand même, hein. Tac. Alors, j'ai vu que sur internet, on conseillait de prendre Fang. Enfin, Lightning, Fang et. Et comment? Et. Lightning, Fang et Vanille. Personnellement, non. Je ne prendrai pas ces trois-là. Ils sont sûrement très très bons. Ils sont sûrement excellents. Mais je prendrai pas ces trois-là. Je pense que ça en rendra triste plus d'un. Mais non. Alors, on va faire ça par contre. Hein. Tu vas te soigner. Parce qu'on veut pas te voir mourir. Voilà. Ok. Putain, il a 300 par contre. Je sais pas comment il a fait pour fusionner, mais on faudra plus le faire. Hein. C'est plus de fusion. Plus de fusion. La fusion, c'est le mal. Après, peut-être qu'il donnera plus de pesos que la normale, mais voilà là. Nous, on va prendre un coup. Ah non. C'est bizarre, ses coups ils touchent que lui, ils touchent pas nous, vous voyez, c'est spécial. Merde, je me suis foiré. Voilà, on va faire ça. On va utiliser ça, enfin on va bourrer sa barre de choc, hein, histoire qu'elle monte. Celle-là, il a la moitié, donc bon, ça sera bientôt bon. On va peut-être changer et voilà, faire ça. Pas qu'on le perdre. Perdre, pardon. Qu'on le perdre. On va le perdre. Ok, il est en choc. Bon bah il est mort. Ah non, il est pas mort. Il est pas. Bah si, il est mort. Ah non, c'est Allez, oui, c'est nous qui l'avons eu. Voilà. Voilà. C'était tout. Non. Non. On a même eu moins que d'habitude. Hein. On a eu que 200 alors que jusqu'à tout à l'heure on avait dans les 300. Là-bas, est-ce qu'il n'y a pas un truc? Oula. Alors attendez. Je veux voir parce que. Non, c'est bloqué. Ok, c'est bloqué. Hop. Donc on va partir de ce côté-là. Et on va affronter tous ces petits monstres. Voilà. Parce que c'est cool. Parce que c'est cool. Voilà, tout simplement. Et là, on va peut-être bourrer directement. Hein, on va peut-être pas chercher à voilà. On va bourrer directement. Voilà, je pense que ça peut être pas mal.
Voilà, je pense que ça peut être pas mal de bourrer directement. Voilà. Effectivement, c'est plutôt pas mal comme... Bon, après, ils ont l'air de reprendre de la vie, mais... Mais bon, ça va. Ils ont pas l'air non plus... Oula. Alors oui, je dis ça, mais quand même, hein. Voilà, hein, vous allez quand même vous soigner. Et on va faire attention, hein, c'est bon. Voilà, c'est quand même. Hein. Ok, il nous en reste plus qu'un, c'est bon, au final, on va l'avoir. Boum, boum, et voilà. Donc c'est Zaz qu'il a eu. Pff, fais pas le mariole. Tac. Je pense que j'ai là où j'ai mal joué, c'est au niveau du... de l'avion. J'aurais peut-être dû faire tous les combats. Les monstres étaient short, mais j'aurais peut-être dû faire tous les combats. Ouh, là on passe en... On passe en coup surprise. On passe en coup surprise. On va faire attaquant, faut faire attaquant, c'est bon. Allez. Wow, par contre, ils font trop mal. Ah, je pensais qu'elle allait faire un fauchage et tout. En fait, pas du tout. Alors, par contre, ouais, tu vas faire voilà ça. Oh putain, il fait un autre fusion. Oh. Non, pas la fusion. En fait, il a pas l'air d'avoir fusionné. Ça doit être parce qu'on l'a tué avant. Ah si, il a fusionné. Ah, il a fusionné, mais Waouh. Soigne-moi. Ok, on est mort. Voilà. Putain. Ouais. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. En plus, sachant qu'ils ont fusionné, bah forcément, ça a pas joué en ma faveur. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas. Pour ce combat, on va se mettre en stratégie. Non. Stratégie, voilà. Rôle. On va mettre celle-là de base. Ouais, on va mettre celle-là de base. Et puis voilà. Oh putain, ils sont en alerte. Dommage. On aurait pu non, par contre, tu fais pas de ruines. T'as pas compris que... Enfin, non. Pas de ruine. Arrête. Y'a un mété kudasai. Voilà. Oh là 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 là. Et on prend méga cher par contre. J'avoue que par contre, on prend méga cher. Je pense qu'il va... Non, il va pas fusionner avec un... Bon, je pense que déjà le fait que lui on va le tuer, ça va être pas mal. Voilà. Est-ce que... Ah, il attaque le A, bien sûr. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que le A ou... Non, le A. Oh putain. Il fusionne. Regardez, il n'y a plus le A. Ah putain. Donc là on est mal. Oh, Zaz il est mort. Oh merde. Zaz. Oh. Non mais là on va pas s'en sortir. Oh là 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 là. Ok, on va essayer d'arrêter de passer en force et on va se donner quelques cristariums. Peut-être. Ou alors j'ai une autre idée. On va se donner des cristariums pour commencer. Et ensuite j'ai une idée. Alors, Cristarium, on a que 1003, on n'a pas grand chose. Hein.
Donc toi, attaquant, voilà, parce que voilà. Alors, niveau des attaquants, il te manque quoi? Niveau des attaquants, il te manque 3 bonus de PV, un bonus de force. Le bonus de force est là. Voilà. Le bonus de magie est là. Et donc le bonus de vie est en bas. Et donc il manque les derniers trucs de force. Et les derniers trucs de force, ils sont... Ouh! Et par contre, ils ont masse de trucs à avoir, eux. Bref. On va d'abord se donner à... Hop. Tacticien. On va se donner tacticien parce que ça peut être toujours utile et qu'on ne sait jamais. Voilà. Ok. Du coup, toi, tu vas prendre tacticien. Voilà. Alors, je pense qu'il nous faudrait un saboteur en fait. Ça doit être ça. Ça doit être ça qui me manque. Du coup, on va hop, elle, on va la mettre en full saboteur. Ah bah elle est déjà en full saboteur, ça c'est cool. Oh, prendre si tu veux, hein, mais on s'en fout. S'en fout, voilà. 42 PV, 32 PV, un petit peu de force. Tac, niveau de rôle augmenté. Saboteur niveau 3. Ah, ici, elle a défaillance et fragilité. C'est génial. Du coup, en fait, j'ai peut-être mon idée de réduire la résistance physique. Ouh. Et donc ça, c'est réduire la résistance magique. Bah oui, ça c'était... Mais c'est pas mal, en fait, saboteur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau PV, elle... Cercle vicieux permet de prolonger la durée. Ouh, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce que je vois pour le moment. Alors, la force, vous allez me dire, on s'en fout. Alors, il lui manque un bonus de force, mais on n'en a rien à foutre, et un bonus de PV. Par contre, on va aller le chercher, le bonus de PV. Je sais pas où il est, mais on va aller le chercher. Pourquoi? Bah, il doit être là. Voilà, il est là. Pourquoi? Tout simplement parce que un bonus de PV, c'est quand même vachement bien. Et ouais, on va faire ça. Donc elle a le soin 2. Très bien. Très très bien. La magie. Les PV. La force. Les PV. Ouais, on va faire ça. Je vais augmenter. On va la prendre elle. On va la remplacer. J'ai envie de dire, c'est con qu'on ait pas une équipe de 4, parce que on aurait pu avoir les 3 qui augmentent notre force, notre attaque. Ou alors... Non. On va rester comme ça. Enfin, j'ai mon idée. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer lui. Parce qu'en fait, eux deux, ils s'égalent. Hein. Elle fait baisser la défense et lui, il augmente l'attaque. Enfin, notre attaque. Donc... Ça s'égale. Mais là où c'est mieux, c'est que... Bah j'en sais rien en fait. Donc on va mettre elle. Ou... Ouais non, si si. On va rester comme ça. Alors, attaquant, soigneur, tacticien. Attaquant, ravageur, ravageur. Soigneur, soigneur, soigneur. Oui non, on s'en fout. Ici on va mettre attaquant, soigneur, soigneur. Voilà. Ici, on va mettre attaquant, saboteur, c'était déjà mis, et tacticien. Voilà. Et ici, on va mettre attaquant. Ravageur. Et ravageur, et il y a déjà en fait donc. Bah celle-là, on va l'enlever, tout simplement. Non, comment on l'enlève? Bon, on peut pas. Du coup, on va commencer avec celle-là. Voilà. On commence, on baisse leur défense. Enfin, on augmente notre défense, on baisse leur attaque. Et on bourre.
et on bourre. Littéralement, c'est plutôt pas mal comme truc. Si jamais, dans cet épisode ou dans le prochain épisode, lorsqu'on affrontera le boss que j'ai vu, parce qu'on m'a, enfin, sur internet dit que c'est un boss très très puissant. Si jamais je n'arrive pas à le battre, ce que je ferai, c'est que j'utiliserai la technique que je pense la mieux, c'est-à-dire ah oui, non, mais en fait, il y a personne en soin. Donc tu vas passer voilà, tu vas faire ça. Waouh, on va mourir. On va mourir parce que j'ai pas fait attention. On est mort. Pas encore. On est mort. Ok. Ok. Je viens de trouver laquelle je voulais faire. Enfin, je crois que je l'ai pas faite, donc je... Ok. Je suis mort comme une merde. J'ai honte. Stratégie. Ah bah si, je l'avais. Ok. C'est pas grave. Je suis en train de me dire... Je suis en train de me dire déjà, Snow il a pas mal de Crystarium. En plus, bien qu'il égalera pas Lightning au niveau de sa puissance, le fait que ce soit un sac à PV, on mourrait peut-être moins vite. Du coup, c'est peut-être pas mal comme truc à avoir. J'en ai aucune idée, je dois vous avouer que je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est votre équipe préférée, voilà, celle avec qui vous vous sentez le mieux. Est-ce que vous bourrez les soins? Est-ce que vous bourrez, je sais pas moi, il y a plein de choses qu'on peut bourrer. Et du coup, n'hésitez pas à me dire, ça pourrait toujours m'aider et ce sera toujours sympa. Par exemple, si vous trouvez que Snow c'est un sac à PV, et merde, on a perdu... On a perdu l'autre. Oh putain. Je pense qu'il faut que j'arrête de m'acharner sur eux. Littéralement. Il faut... Merde, quel con. Bravo, tu utilises une queue de phénix pour rien. Ce n'est pas grave. D'accord. Bon, bah on est mort. Voilà, on est mort. Donc, ouais. Bon. Non, mais là, c'est plus possible, par contre. Là, c'est plus possible, les amis. Là, c'est pas possible, quoi. C'est... Non. Bon, on va retourner avec... Voilà. Et je pense que je vais faire ce que je pense, c'est-à-dire mettre lui en premier... Attaquant, soigneur, ravageur, défenseur, tacticien, soigneur. Ouais, si, on va laisser ça. Attaquant, tacticien, soigneur. Attaquant, tacticien et attaquant, ravageur, soigneur. Voilà, je pense que ça peut être pas mal parce que Snow est un tank, hein, littéralement, et étant donné que c'est un tank, il peut beaucoup plus survivre, voyez, donc voilà, ça peut être pas mal.
masse. Ah. Voilà. Ça peut être pas mal. Je pense. On va tester. Hein. De toute façon, on va bien voir hein, si c'est bien ou pas. Hop. Donc normalement. Oh, par contre, clairement, il a moins de force que Lightning. Ça, c'est clair. Hein. Il y a pratiquement 100 de force de différence. Hein. C'est assez ouf. Du coup, normalement, t'as tout. Hein. 2-2, 7-7, ouais, c'est bon. Niveau du ravageur. Moi, je dis, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Hein. Il peut avoir de bons sorts et ça peut être pas mal. Hein. Carrément. De toute façon, on verra bien. Si je réussis pas là, je couperai l'épisode et j'attendrai que vous me disiez ou ce que vous pensez, hein, si c'est ce qui est le mieux. Et puis voilà. On a une full équipe de mecs. Je viens de le remarquer. On a une full équipe de mecs. Puis c'est pas mal, hein. Et déjà, on va commencer par atteindre. Par attaquer les bouboules. Hein, Voilà, les trucs qui font nutrition là. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de respect. Et que du coup, voilà. Alors. Par contre, ça c'est bien. Le fait qu'ils sont. Enfin, le fait qu'il ait beaucoup de vie, du coup. Nous, ça nous facilite les choses. Parce que du coup. On a beaucoup plus de points de vie. Donc on meurt moins vite. Voilà. On s'en sort bien. Hop. On va le tuer, lui. Voilà. On va tuer le B maintenant. Est-ce qu'on s'en sortirait pas mieux que d'habitude? Moi je dis, il y a un truc là, hein, il y a un truc. Moi je dis, il y a un truc là, on est en train de réussir. Hein. On est en train de réussir. Littéralement. Voilà. Tac. Lui il est mort. Et maintenant. Maintenant on attaque lui. Boum. Alors déjà je viens de remarquer qu'on a pris moins de dégâts que Lightning. Ouais, on prend moins de dégâts et on n'est même pas on n'est même pas avec un sort de défense. Donc moi je dis c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très pas mal. Voilà. C'est plaisant. Parce que du coup, avec un bouclier, ils vont nous faire quoi? Peut-être 20 dégâts. À peu près, hein, 20-30 de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Il a que attaque ou ruine. Du coup, le mieux, ce serait de le mettre en ravageur au lieu d'attaquant. La magie, c'est toujours mieux. Du coup, on a tué tout le monde. Voilà. On a tué tout le monde. Je vais juste aller changer les fois où il est en attaquant. Je vais les changer en tant que ravageur. Je me dis que, par exemple, prend cryo point ou des attaques comme ça. C'est peut-être plus utile que l'attaque comme ça de base. Après, je sais pas si... par exemple, on prend cryo, euh,
Cryo Choc, là, je sais plus comment elle s'appelle. On va l'appeler Cryo Point, mais je sais pas comme ça qu'elle s'appelle. Je sais pas si c'est de la magie. Enfin, si c'est considéré comme de la magie ou de la. Ou de la force. Ou de l'attaque, enfin. On va aller voir. Stratégie, rôle. Donc, on va changer partout. Voilà. Ravageur. Mince. Ah! Donc, ça, c'est bon. Ravageur. Et du coup, ravageur. Voilà. Donc, ravageur, ravageur, ravageur. Et ben, on va mettre celle-là. Voilà, on va mettre celle-là. Puisque. Bah, notre snow quand même va être plutôt pas mal hein. Full protect et tout ça va être plutôt être... Il y a un truc par là. Il y a un truc par là. Hop. Je pense ouais c'est ça, ça donne sur l'autre chemin. Sur celui qui était bloqué. Donc sur des ennemis aussi, mais sur un coffre surtout. Par contre, il y a du monde. Par contre, il y a du monde. Po. Il y a du monde. Il y a littéralement beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, Cryo Impact. Alors, on va voir. Cryo Impact, combien on va lui faire. Enfin, combien on va leur faire. On leur fait 500. Ouais, non. Je pense que c'est un mélange des deux. On va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Ouais. Va falloir qu'on fasse gaffe quand même. Parce que quand même. Ah putain, on a perdu Snow. On est mort. Peut-être pas. Ouais, si, ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop et. Hop, allez. Fais du soin de. Ok, non, ça sert à rien, on est mort. Ouais. Ça sert à rien, on est mort. Mouais. Et bah, je dois vous avouer que. Que. Je suis un petit peu. Ouais, non, on est mort. On est mort. Tant pis. Tant pis. Oui, Nasakele. Allez. Là, il n'y a pas de. Franchement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de style. Hein. Le skill, il est perdu. Hein. On va s'enfuir. Ça me fait chier, mais pas le choix. Parce que là, littéralement, on va pas pouvoir s'en sortir. Merde. Bon, si on meurt, j'irai sauvegarder. Et ce que je ferai, c'est simple. Ce que je ferai est très très simple. Je ferai un truc qui est pas forcément le plus respectable, j'ai envie de dire, mais malheureusement ce sera le mieux qu'on fera parce que bah, en fait ce que je ferai c'est grosso modo alors par contre voilà. Par contre faut quand même mettre un attaquant parce que on prend eux par exemple, ils craignent pas beaucoup hein, les attaques de glace. Donc on va faire acuité quand même pour alors qu'est-ce qu'on dit sur eux. Donc ils sont vulnérables au feu et ils absorbent l'eau. Ce serait bien que voilà, on attaque de feu mais en fait. Non, en fait, ouais, c'est ça. Vu qu'on n'a pas. Non, il y a nulle part où il est attaquant, du coup.
J'aurais dû garder un où il était attaquant. On prend un petit peu cher, mais ça va, on tient, mais ouais. Du coup, l'endo foudre est un peu inutile, parce que du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mourir? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fuir? Eau bénite, c'est quoi? On va en profiter, hein, on va regarder un petit peu. Guérir un allié, d'accord, ça on connaît. Oh, ça tue tout le monde. Enfin, ça attaque tout le monde. C'est pas mal. Bon, c'est nul, hein, ça fait ouais, 300 de dégâts. Par contre, je pense que ça peut être utile. Genre quand on a un gros groupe et qu'on les prend en surprise. Genre pour tous les mettre en... Eh, par contre, je viens de penser à ça, mais en fait... fais ça. Voilà. Fais ça gros. Voilà. Fais ça en fait. Ah, on l'a raté. Oh non, putain, il vient de fusionner. Oh, on est dans la merde. Est-ce que... Ah merde, il est... C'est pas... Voilà, celui-là. Voilà, comme ça il aura plus mal. Puisque c'est des attaques de feu et pyro impact, voilà, ça fait mal. Donc normalement il nous soigne, enfin il se soigne plutôt, le petit gars. Ok, on va la voir et ensuite ouais je ferai un truc qui est pas forcément super que bah, j'aurais bien aimé ne pas avoir à faire, mais malheureusement je pense qu'on va pas avoir le choix, c'est de tout simplement en off je vais farmer les PC, hein, c'est pas super, j'ai envie de dire, mais bon. Pas le choix, parce que là très clairement on n'a pas ce qu'il faut, et je me dis que si on farme un petit peu les PC et qu'en contrepartie bah on prenne tout ce qui est la force, le soin et tout, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, mais je pense qu'on va reprendre Lightning, pardon. Par contre. Ok, donc voilà, on a gagné. Voilà. Mais ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça entre cet épisode et le prochain. Je vais farm les soins, enfin les PC, pardon. Et puis voilà, sera le mieux que j'ai à proposer, parce que là littéralement bon voilà, c'est pas ce que j'ai de mieux à vous proposer. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. En fait non, on va continuer quand même jusqu'à un point de sauvegarde. J'aimerais qu'il y ait un point de sauvegarde pas loin.
pour que comme ça et ben je puisse alterner entre les deux points. Mais il m'a pas l'air d'y avoir de points. Si, il y a un point. Ok, génial. Génial, génial. Je vais faire tous les changements et tout entre. Enfin, en hors cam, excusez-moi. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et un petit pouce vert. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.